J'ai hâte de voir que Myriam d'OPA était là avec nous pour soutenir donc le mouvement des mal logés. Donc je te laisse présenter pourquoi tu es là. Alors je ne suis pas là spécialement à soutenir Don Quichotte, hein, parce que la venue des Don Quichotte l'an dernier, ça a été assez controversé. Par contre, tu veux que je me mette là plutôt? Voilà, il y a plus de lumière. Okay. Par contre, les mal logés et les pas bien ou pas du tout logés, c'est une lutte que je soutiens depuis un petit moment, puisque je fais partie aussi du collectif pour l'application de la loi de réquisition qui s'est constitué à Bordeaux il y a 2 ans maintenant. On a ouvert un squat, on a hébergé des SDR, et après 6 mois de lutte, on a réussi à les reloger. Maintenant, le CALR 33 lutte aussi avec Clé de Départ, l'association Clé de Départ, qui a un vrai projet de réquisition d'appartements pour les personnes sans logis. Donc effectivement, un toit, c'est un droit, et à l'heure actuelle, on voit bien qu'on est loin du compte, à Bordeaux, et dans la communauté urbaine de Bordeaux, on compte 27 000 logements vacants, pour 3 000 personnes à peu près qui sont à la rue. Donc moi, les pouvoirs publics ont beau m'expliquer qu'ils font des lois, des décrets, etc., je ne comprends toujours pas comment, avec 27 000 logements vides, on n'arrive pas à loger 3000 personnes qui sont sans logement. Voilà. C'est ce que je disais. Moi aussi, enfin, Augustin Legrand me disait que la loi de réquisition n'était pas vraiment applicable et tout ça. Et eux, c'est plutôt pour la loi d'Allo qui se battent. Et, eux, la c'est le point de divergence. Ils considèrent que c'est pas. Voilà, c'est le point de divergence. C'est le point de divergence. La loi de réquisition, elle existe depuis 1948. Elle n'a jamais été appliquée. Et elle est simple à appliquer. Il suffit que le maire d'une ville saisisse le préfet. Que le préfet décide donc de réquisitionner des appartements. On nous parle de construction de logements sociaux. Alors, à qui ça profite ces constructions de logements sociaux? À part à Bouy, je ne vois pas, puisque dans l'urgence, on peut très bien ouvrir des appartements qui sont vides et mettre des personnes à l'abri. La priorité, c'est que des personnes ne meurent plus ni de froid ni de chaud, parce qu'on parle l'hiver des SDF, mais l'été, il y a autant de SDF qui meurent et tout le monde s'en fiche parce que c'est l'été. Donc, il y a des appartements qui sont vides, il y a des gens qui sont dehors. Alors, expliquez-moi comment on ne peut pas mettre ces gens-là dans des appartements. Voilà, la loi de réquisition, elle existe. On ne peut pas l'appliquer, je ne vois pas pourquoi. Nous-mêmes, nous l'avons appliquée quelque part quand on a réquisitionné cet appartement. On n'a fait ni plus ni moins qu'appliquer la loi de réquisition. On l'a réquisitionné, on a mis des gens dehors, dedans qui étaient dehors. Et au bout de 6 mois de lutte avec la mairie, ils ont fini par leur donner des appartements. Donc c'est tout à fait possible. Il faut avoir une bonne volonté et pas lâcher l'affaire. Quoi. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui squat, ça serait donc possible d'être légal avec la loi de réquisition? Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, il suffit que la mairie veuille bien saisir le préfet d'une demande de réquisition. Et en plus, dans la loi de réquisition, il ne s'agit pas de spolier les propriétaires, puisque une indemnité est prévue si la personne qui est relogée ne peut pas payer un loyer. Dans la loi de réquisition, l'État est là pour cautionner ces appartements. Donc, quand on voit les millions qui sont dépensés inutilement, il suffirait que l'État... Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas la politique du gouvernement, ni de celui-là, ni de ceux qui ont eu avant, parce que c'est depuis 1948 qu'elle existe, cette loi. Donc, non, ce n'est pas compliqué à mettre en place, en fait. C'est juste une volonté des pouvoirs publics qui n'est pas là. La loi d'Allo, que les gens qui sont mal logés ou pas logés portent plainte contre l'État pour obtenir des indemnités, enfin, c'est très compliqué. Ça, ça me paraît beaucoup plus compliqué que d'ouvrir un appartement qui est inoccupé pour y mettre des gens dedans. Ça me paraît beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc au niveau du soutien des gens qui sont sans abri ou mal logés, on trouvera toujours au PA ou ça a l'air pour défendre ces gens-là et on est très motivés. Oh alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air morose sous la grisaille.